Depuis le début du Mondial 2022 qui se dispute au Qatar, Denis Brognard présente le MAC de la Coupe du Monde sur TF1 juste après les matchs diffusés sur la chaîne. Pour débriefer au mieux, l'animateur s'entoure de plusieurs spécialistes, à savoir de la journaliste sportive Marine Marc, des pros du ballon rond Adil Rami et Rio Mavouba ou encore de Nadia Bamokhtar. Cette dernière est présentée en tant que consultante et livre toujours des analyses pointues sur les déroulés des rencontres. Il faut dire que Nadia Bamokhtar s'y connaît bien dans la matière. Elle a même baigné dans le milieu du foot depuis sa tendre jeunesse grâce à son père, un ancien joueur professionnel algérien. Si est-il donc tout naturellement qu'elle s'est à son tour mise à taper du ballon en grandissant, débutant à l'âge de 7 ans au sein du club VG à Saint-Maur pour y rester 10 ans. À 17 ans, Nadia Bamokhtar a ensuite rejoint l'équipe en D2 de Compiègne avec laquelle elle évoluera un temps jusqu'en D1. De 2008 à 2010, la défenseuse a joué à la Com Bagneuse avant de terminer sa carrière professionnelle avec le FCF Juvisy. Sous les couleurs de ce maillot, la sportive a eu l'occasion de participer à deux reprises à la Ligue des Champions en 2011 et 2013. Nadia Bamokhtar, une bouffée d'oxygène depuis qu'elle a raccroché les crampons, Nadia Bamokhtar a continué de s'illustrer dans la sphère du football puisqu'elle a intégré les équipes du Paris Saint-Germain en 2017, devenant responsable du développement de la marque PSG à l'international. Si est-il en 2019 qu'elle a fait ses premiers pas en tant que consultante sur la radio France Bleu, à l'occasion de la Coupe du Monde féminine de football. 2 ans plus tard, en 2021, elle a été recrutée par TF1 pour le MAC de Denis Brognard qui suivait alors l'Euro féminin 2021. Au sein de cette équipe, Nadia Bamokhtar réalise des sans-fautes et a su séduire les internautes, de par sa beauté mais surtout de ses analyses jugées très bonnes. Je la trouve très jolie cette Nadia Bamokhtar et en plus si est elle qui a les meilleures analyses, j'ai mis bien Nadia Bamokhtar sur le mag, elle devrait avoir plus la parole, franchement Nadia, je le dis sans arrière-pensée, vous surclassez beaucoup de spécialistes analystes du football. Honnêtement, une bouffée d'oxygène, avec des mots simples, vous répondez et résumez systématiquement intelligemment aux questions qu'on vous pose, bravo, peut-on lire sur Twitter ?